Apparemment, c'est du harp. Ce sont des formations de nuages qui sont formées par des ondes électromagnétiques. Ici, donc, le 2 juin 2012 en Suisse. C'est très bizarre. On voit clairement la fréquence. Apparemment, il y a trois choses qu'ils ont besoin. Ton code génétique, le ADN, qu'on peut transmettre en fréquence, parce que toute matière, c'est une énergie qui peut être transmise dans une fréquence. La deuxième chose, il doit savoir quel programme télé tu es en train de voir à ce moment. Et la troisième chose, avec ces énergies et la fréquence, ils peuvent trianguler trois émetteurs de portables. Et quand ils mettent ces trois énergies ensemble, ils peuvent te contrôler apparemment. Il est donc nécessaire une interférence de ces trois énergies, de ces trois fréquences, pour griller ton cerveau. Ce qu'ils ont fait avec des soldats irakiens dans le désert en 1991. C'est pas trop naturel, tout ça. Ça doit être clair qu'on ne vient pas d'ici. On doit tout cuire ce qu'on mange, sinon on ne peut pas le digérer. On doit porter des souliers, sinon on a mal à nos sensibles pieds. Et on doit porter des vêtements, sinon on a froid. On n'est pas du tout adapté à cette planète-là. Donc il n'y a pas eu une évolution, sinon on sera beaucoup plus adapté. Donc, on est le seul animal sur cette planète qui fonctionne pareil. Donc, on vient d'où? Hein?